Bah voilà, quand on fait complet, on a le droit à une petite récréation. Et la petite récréation aujourd'hui... Culturelle. La récréation. Culturelle, ouais. C'est une pièce d'une grande réflexion sur la place de l'araignée dans la vie. Donc c'est une coproduction américaine qu'on va voir. C'est hyper touchy. On va voir ce que ça va donner, hein, parce que ça m'a l'air d'être un petit peu pointu quand même. 11h10 du matin, et t'as tous les gens qui font la queue quand même pour aller bouffer des pop-corn, du coca, des M&M's. C'est chaud quand même. En revanche, quand tu veux te garer à Avignon et pas choper d'amende, t'es obligé de te garer à 25 minutes. C'est un truc de fou. Alors c'est quoi le plus dur pour toi à Avignon? Dormir. Tout est dur, tout est passionnant, tout est... Oh, la vieille langue de bois. Ah bah ça, c'est mon réveil. Ça me réveille. Finalement, c'est une légende, les gens qui disent que tu fais 1m50. Exactement, tu vois, ça veut légende, bien que tu en fait, t'es vraiment une grande régisseuse. Oui. On en aura dit des bêtises. Toi, tu je croisais un mec qui avait un crayon dans la bouche. C'est vrai. En permanence. Ouais, quand je te vois, je pense au crayon. C'était l'époque où j'étais encore discipliné. C'était je énorme. Faisais mes exercices de technique et maintenant, il n'y a plus rien. Et puis, il y avait 20 kilos en moins aussi. Au moins. De musculature. Ah, il a un abdominal. Vas-y, Philippe, en boîte. Tu danses. Ah, il faut que tu aies un minimum de sens du rythme, t'es musicien normalement. Il est pas très bon. C'est le monsieur, il est en avec la tête.